Et bonjour à tous et bienvenue pour un premier épisode sur Epic Battle. C'est un jeu où en fait c'est de la simulation de combat et je voulais absolument le tester pour vous les amis, pour proposer une vidéo. Et dans ce premier Epic Battle, je vais faire s'affronter des archers face à des T-Rex. Alors vous allez me dire, quel rapport entre ces deux unités? Aucune justement, et c'est ça l'intérêt de la chose. Donc on va faire affronter 10 000 archers face à 10 T-Rex. Alors c'est un test, hein. Attention, je ne suis pas sûr que les T-Rex vont s'en sortir parce que les archers attaquant à distance, les T-Rex n'auront peut-être même pas le temps de les atteindre. Mais justement, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors vous voyez, j'ai bien choisi cette zone de la carte, donc on va essayer de les décoller un petit peu, mais on va les mettre un petit peu éloignés et on va voir ce que ça donne. C'est parti les amis, on va laisser le jeu générer tout ça. Alors si ce style de vidéo vous plaît, je pourrais vous proposer du contenu là-dessus, pourquoi pas faire des mises en scène bien spécifiques avec peut-être plusieurs on va dire groupes d'attaques. En tout cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo et je vous proposerai ça avec beaucoup de plaisir. 10 000 archers contre 10 T-Rex. Qui va survivre? Voilà nos 10 T-Rex donc. Et nos 10 000 archers qui sont là. Et c'est parti les amis. C'est parti. Les T-Rex attaquent. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh, les T-Rex ont rien le temps de voir les amis. Oh là 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 là. Les archers les ont dépopés les amis. Dépopés. Les archers se sont... Ils ont vraiment dépopé. C'est aussi simple que ça. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on tente une autre stratégie. On a bien vu que 10 T-Rex, ça suffit pas contre 10 000 archers. C'était prévisible, hein, je vous le cache pas. J'avais prévu ça. Alors on va voir si 100 T-Rex seront peut-être beaucoup plus puissants face à des archers. Donc c'est parti. On va générer le combat. Alors là, on a vu que les archers ont, en l'espace de 30 secondes, dépop complètement les T-Rex. Les T-Rex n'ont rien eu le temps de voir, mais en même temps, c'est vrai que forcément, les pauvres T-Rex ont pris cher très rapidement. Là, l'objectif va être de voir si avec 100 T-Rex, les 10 000 archers auront le temps de les tuer. Sans 100 T-Rex, ça ne sera pas la même chose, hein, clairement. Et donc, c'est parti. Attention, 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 on attaque des archers. Oh, les T-Rex qui rentrent dans les archers, attention. Oh, la première valve. Attention avec... Oh là, les archers meurent comme des petits pains aussi. Mais oh là, les T-Rex. Alors on voit que les T-Rex progressent. Ah mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas clairement. Ça ne suffira pas. Oh là 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 là. Les T-Rex sont tous décédés. Mais on voit qu'il y a eu quand même 559 morts du côté des archers. On va tenter une stratégie différente ce coup-ci, les amis. Alors, on a vu que 100 archers, 100 T-Rex, ça ne suffisait pas. Alors, tentons maintenant 500 T-Rex. Alors, 500 T-Rex face à 10 000 archers. Ça sera le troisième et dernier essai pour voir si, justement, les T-Rex peuvent prendre l'avantage face aux archers. Alors là, on voit clairement que 10 000 archers sont vraiment trop puissants pour 100 T-Rex, hein. Les T-Rex n'ont pas le temps d'attaquer. Alors il y a eu quand même, s'ils ont le temps d'attaquer, ils ont quand même fait 300 ou 400 morts, je sais plus. Là on va voir avec 5 fois plus d'unités si les T-Rex arrivent à venir à bout des archers. On voit que le paysage magnifique, les archers sont au taquet, clairement. Et c'est parti, attention, c'est parti. 500 T-Rex les amis, 500 T-Rex. Est-ce qu'ils vont venir à bout des archers? Ça va être le suspense. On voit déjà 400 morts du côté des archers. Alors attention parce que 500 T-Rex, c'est pas le même son de cloche. Peut-être que là, les T-Rex vont réussir à venir à bout. On a déjà 70 morts du côté des T-Rex. 1300 morts du côté des archers. C'est parti. Attention, 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 attention. Là, pour le moment, c'est pas mal. Les T-Rex sont au tiers mort. Les archers sont au quart mort. Mais forcément, qui dit moins d'archers, dit moins de dégâts. Donc attention, attention, ça peut être très très serré. Attention, attention. On est à 3000 morts du côté des archers, 230 du côté des T-Rex qui progressent tranquillement, mais qui progressent. Attention, presque 4000 morts. Est-ce que les T-Rex vont réussir à venir à bout de cette vague archer? On les voit, hein, ils sont à fond, ils donnent tout. Les T-Rex qui, eux, progressent au maximum. 300 T-Rex morts, 4300 archers morts, presque 5000.
Est-ce que les T-Rex vont réussir à venir à bout de cette vague archer? Il y a eu beaucoup, beaucoup de T-Rex morts. Il ne reste plus que 150 T-Rex. Il ne reste plus que 3000 archers. 4000. On voit que les T-Rex donnent tout. Mais je pense que là, ce coup-ci, je pense que ce coup-ci, c'est les archers qui vont encore prendre la main. Il ne reste plus que 100. C'est encore possible. Hein. C'est encore possible. C'est encore possible. On voit que les archers meurent en trombe. Ça peut encore gagner du côté des T-Rex. Le suspense est à son comble. On voit que les T-Rex progressent. Plus que 40 T-Rex contre 3000 archers. Est-ce le suspense est à son comble? Est-ce que les archers vont remporter ce combat? Plus que 25 T-Rex et plus que 2000 archers. 15, 10 T-Rex. Non, ça ne suffira pas, les T-Rex. On fait quand même un combat magnifique. Mais c'est les archers qui gagnent le combat. Ils ont quand même tué, les 500 T-Rex ont quand même tué 7500 archers. 7500 archers, mais ça ne suffit pas. Face à cette vague d'archers qui était quand même impressionnante. 10 000 archers. 10 000 archers, c'était quand même impressionnant. En tout cas, voilà, c'était un petit test pour vous, les amis. Donc, on voit que les archers sont très puissants en nombre. On voit que ouais, les dommages sont vraiment très, vraiment colossaux. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez voir des prochains affrontements, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, pourquoi pas, par exemple, des guerriers contre les archers ou des guerriers contre les T-Rex. Ça sera, je testerai d'autres vidéos pour vous, les amis, si ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Exclick Gaming si vous êtes nouveau sur la chaîne. A très bientôt, les amis. Ciao !